Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: pouvez-vous calculer cette intégrale? C'est l'intégrale de 1 à 3 de racine de moins x carré plus 4x moins 2 et moins 1 dx. Voilà, quelle technique donc pour calculer cette intégrale? Nous avions donné un exercice similaire et on avait utilisé une méthode inhabituelle, c'est-à-dire le calcul d'air, pour faire l'exercice de la dernière fois. Cette fois-ci aussi, on va procéder de la même façon. Voilà, seulement là, on avait directement un demi-cercle, mais ici, voilà, le problème est plus complexe que l'exercice précédent. Nous allons utiliser comme outil mathématique la forme canonique. D'un trinôme du second degré, le théorème de Pythagore et aussi l'aire d'une partie de disque délimitée par deux rayons et un arc, et aussi l'aire d'un triangle. Donc, calcul donc de cette intégrale. Nous allons poser y égale racine de moins x carré plus 4x moins 2 moins 1. Alors, on a, en transposant moins 1 et en élevant au carré, nous avons y plus 1 au carré égale moins x carré plus 4x moins 2. En transposant tout dans un même membre, on va avoir y plus 1 au carré plus x carré moins 4x plus 2 égale 0. Alors, là, nous allons écrire x carré moins 4x plus 2. Voilà, en utilisant les débits de carré. Donc, x carré moins 4x, on va s'écrire x moins 2, le tout au carré. Bon, mais si on fait ça, on aura x carré moins 4x, mais il y a un terme de trop, c'est-à-dire le 4. Maintenant, il faut enlever le 4, moins 4, plus 2, plus y, plus 1 au carré égale 0. Ce qui nous donne donc x moins 2 au carré plus y plus 1 au carré égale 2. Voilà, nous reconnaissons ici donc l'équation d'un cercle de centre. On peut nommer le centre A de coordonnées 2 moins 1. Parce que c'est de la forme x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré égale r carré. Donc ici, comme r carré c'est 2, donc r égale racine de 2. Voilà, maintenant sur l'intervalle 1, 3, la courbe représentative de la fonction qui a x associée racine de moins x carré plus 4x moins 2 moins 1 est un arc de ce cercle-là. C'est un arc donc du cercle de centre A de coordonnées 2 moins 1 et de rayon racine de 2. Donc voilà la représentation graphique. Nous voyons donc ici donc, le cercle qu'on vient de tracer. Nous sommes dans un repère orthonormé. Le point A est le centre, voilà, du cercle. Vous voyez bien ses coordonnées, c'est 2 moins 1. Et le rayon du cercle, c'est bien racine de 2.
Donc, vous voyez qu'on peut vérifier que ce cercle-là passe par ces deux points B et C. Avec B de coordonnées 1, 0 et C de coordonnées 3, 0. Donc, il suffit de vérifier que leurs coordonnées vérifient l'équation de ce cercle. Donc, voilà ce que nous avons. Maintenant, lorsque x varie entre 1 et 3, vous voyez la portion de cercle dont on disait tout à l'heure, donc la représentation graphique de la fonction f de x égale à racine de moins x carré plus 4x moins 2 moins 1, c'est la partie qui est représentée ici en vert. Voilà, donc sur cette portion, voilà la représentation graphique de la courbe. Maintenant, l'intégrale qu'on nous demande entre 1 et 3, donc n'est rien d'autre que cette terre-là, l'aire délimitée donc par l'arc BC et le segment BC. Ainsi, donc, ce domaine-là, on va l'appeler D. Donc, ainsi, donc, l'intégrale demandée de 1 à 3, racine de moins x carré plus 4x moins 2 moins 1 dx est égale à l'aire du domaine D. Voilà, D étant le domaine en vert délimité par l'arc AB et le segment BC. D'après le théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Donc, nous sommes à repère orthonormé, c'est facile de voir. D'ailleurs, géométriquement, ça se voit, mais également, on peut utiliser les coordonnées des points pour voir que donc, la réciproque de Pythagore permet de montrer que le triangle est bien rectangle. Voilà. Parce que BC carré égale à AB carré plus AC carré. Donc, le triangle est rectangle. Il est également isocèle car A est centre du cercle. Comme A est centre du cercle, alors AB égale AC. Voilà. Donc, l'aire de ABC plus l'aire du domaine, voilà, l'aire de ABC plus l'aire du domaine, c'est ce que nous voyons ici, ABC. L'aire du triangle ABC et l'aire du domaine va nous donner donc l'aire délimitée par les deux rayons et l'arc. Et l'arc que vous voyez ici. Et cette aire-là, on sait comment ça se calcule. Donc, comme cet angle-là vaut 90 degrés, mais qu'il faudra convertir en radian, il faut convertir en radian, n'est-ce pas, diviser l'angle par deux. Et multiplier ça par le carré du rayon. Mais le rayon, on sait bien que c'est racine de 2. Voilà donc ce qui donne que la somme de ces deux aires-là, aire du rectangle plus aire du domaine, égale à l'aire de la partie dont on vient de parler, qui est égale à 1 demi de pi sur 2 fois le rayon au carré. Donc, racine de 2 au carré, ça donne 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc finalement, ça donne pi sur 2. Or, ABC, on sait que c'est isocèle, donc chaque côté vaut racine de 2, les côtés de l'angle 3. Donc c'est une formule bien connue, n'est-ce pas? Base fois hauteur sur 2. Donc comme c'est rectangle en A, donc c'est AD fois AC sur 2. Donc, c'est égal à 1 demi de racine de 2 fois racine de 2, ce qui nous donne 1. Finalement, l'aire du domaine D est égal à pi sur 2 moins 1. Ainsi donc, l'intégrale qu'on nous avait demandé, intégrale de 1 à 3 de racine de moins x carré plus 4x moins 2 moins 1 dx, est égal à pi sur 2 moins 1. Donc, à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Merci.